Avec le coach et Galago Musique. Aujourd'hui, lancement d'une rubrique Piano Blues, voilà. Donc, je vais me lancer dans quelques vidéos qui vous permettront de vous accompagner, déjà dans un premier temps, et puis également ensuite d'improviser sur un blues en 12 mesures en Do majeur, voilà. J'espère sincèrement que ça vous plaira, parce que le blues, c'est un style dans lequel j'ai un petit peu mariné pendant longtemps, donc j'espère que je pourrai vous apporter quelque chose afin que vous puissiez bien vous éclater sur votre clavier. Allez! Alors, dans le blues, il y a une structure qui va revenir très, très, très souvent, c'est la structure en 12 mesures. Ces 12 mesures vont se passer comme ça. Donc là, on est dans un blues en Do. Donc je vais avoir besoin, à la main droite, d'un accord de Do majeur. Donc le Do du milieu est ici. Tac. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est un Do majeur et tout ça, à consulter les vidéos grands débutants que j'ai fait pour les pianistes, voilà, pour apprendre grâce à l'harmonie, c'est-à-dire à apprendre à construire un accord majeur, un accord mineur, comment les enchaîner et tout ça. Vous les trouverez ici, sur le côté de l'écran. Donc, on aura besoin dans ce blues d'un accord de Do majeur. Très bien. On aura besoin d'un accord de Fa majeur, qu'on va jouer ici, qu'on pourrait faire également là si on a envie, mais pour le cas de figure, et puis ça fait plus joli à l'écran parce que c'est mieux centré, on va prendre ce Fa majeur qui est là. Et on aura besoin d'un troisième accord, un accord de Sol majeur. D'accord ? Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Volontairement, je n'utilise absolument aucun renversement pour l'instant. C'est vraiment le premier cours initiation au blues. Bon, bah écoutez, pour ce premier cours, justement la main droite, c'est bon, c'est fait. Donc, maintenant, la main gauche, parce que c'est là que tout va se passer. On va avoir besoin des notes Do et Sol, ici, qu'on jouera avec le 5 et le 2, ou bien avec le 5 et le pouce. Ça, c'est un peu selon chacun. Moi, j'ai plus tendance à utiliser ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire ça. Ou bien, du coup, si on n'utilise que le pouce... j'ai fait Do Sol ou bien Do La. Et je vais faire des croches shuffle, c'est-à-dire c'est des croches qui vont faire tin, 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 deux, croches, deux, croches, deux, croches, deux, croches, deux. Si c'était des croches pas shuffle, dites croches binaires, on ferait un, deux, ça ferait du rock. Ça, ce serait rock. Donc, je refais mes croches binaires, du coup, pour bien que vous sentiez justement la différence entre binaire et ternaire. Ternaire, c'est ce qu'on appelle shuffle. Donc, binaire d'abord, c'est ce qu'on veut pas dans le blues. Ça, c'est binaire. Shuffle, ternaire, 1, 3. Et c'est toujours des croches. Donc, sur la partoche que vous pouvez télécharger sur galagomusique.com, j'écris les croches normalement, c'est juste que j'indique au début que les croches sont shuffle et que donc, l'interprète doit les jouer non pas... en classique, mais vraiment. D'accord. Ça, c'est le truc qu'il va falloir que vous chopiez, parce que c'est le moteur, vraiment, de tout l'exercice. Donc, une mesure complète contiendrait exactement 8 croches, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Avec ça, on a fait une mesure complète. Encore. 1, 2, 3, quatrième temps, et deuxième mesure, bah, je m'arrête pour vous expliquer, mais normalement, on ne s'arrêterait pas et on recommencerait. 2, 3, 4, deuxième mesure. Bossez bien ça. Et vous pouvez, dès tout de suite, essayer de plaquer à la main droite ben, la corde de Do majeur. Et ça donnerait... Et vous laissez la corde de Do majeur enfoncée pendant 4 temps. Donc genre... 1, 2, 3, 4... Déjà ça, ça le fait, non? Ce n'est qu'un début. Ok, dès que vous êtes fort sur la position de Do majeur, et ben ça va être plus simple déjà parce que on va juste décaler les mains. C'est-à-dire que à la main droite, on a dit qu'on faisait Do majeur puis Fa majeur. Bon, ici ou ici, mais pour le cas de figure, donc j'aurais dit on le fait à cet endroit-là. Et ben la main gauche également va faire une position de Fa, c'est-à-dire qu'on va mettre le petit doigt sur un Fa et le pouce sur le Do. C'est comme si on dessinait l'accord de Fa majeur quelque part, mais sans la tierce. À la guitare, c'est ce qu'on appelle un power chord, c'est une quinte juste.
Et donc on ferait pareil. Et ça, c'est cool. Du coup, avec l'accord de Fa majeur à la main droite, pareil, je plaque le premier temps, je tiens l'accord 4 temps. 1, 2, 3, 4. Oh yeah! Et après, la troisième et dernière disposition, ce serait l'accord de Sol majeur, comme on l'a dit au début, donc à la main droite, Sol, Si, Ré. Et à la main gauche, vous pourriez également deviner, bah justement, on va prendre le Sol, on va prendre le Ré, on ôte le Si qu'on a à la main droite, et on va faire ça. Classe, non ? Alors, comme on est des gros foufous, on va essayer de faire une mesure de chacun de ces trois accords, un petit peu moins vite. Pas fastoche, c'est évidemment l'enchaînement entre les trucs. Donc vous le prenez pas vite du tout. Je le refais en slow motion. 1 et 2 et 3 et 4 et ça c'est le et de mon quatrième temps et c'est après ça que je me déplace sur fado et que la main droite se déplace également comme ça en mouvement contraire pour atterrir sur le fa. Donc pas vite du tout. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça vous bossez beaucoup. Ce que vous pouvez faire également, c'est le bosser juste en position, c'est-à-dire vous plaquez ça et ensuite vous plaquez ça. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez justement ne pas avoir à regarder à gauche puis à droite. Il faudrait que la main gauche, dans le meilleur des cas, vous puissiez vraiment vous déplacer sans regarder. C'est juste au feeling après que vous saurez quelle est la distance idéale pour aller du Do au Fa. Et on ferait le même exercice pour aller du Do au Sol ou du Sol au Fa. Comme ça, vous avez vu toutes les possibilités. Clac, Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Ok, une fois qu'on a fait ça, bah, il n'y a plus qu'à mettre les mesures dans le bon ordre. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 12 mesures dans un blues, on va dire standard, et il y a deux grandes façons de faire. Donc les 4 premières mesures de notre blues en 12 mesures pourraient être jouées comme ça, c'est-à-dire 4 mesures complètes avec Do majeur. Donc c'est-à-dire c'est très long. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, troisième mesure, et quatrième mesure. Ok, donc ça sonnerait comme un blues du Delta, c'est-à-dire un blues un petit peu de la campagne. Hein? Donc du coup, on reste 4 mesures complètes. D'accord, l'autre possibilité, que vous choisissez l'une ou l'autre, la première est bien hein, au début, histoire de vous habituer, serait de faire une mesure de Do majeur, puis une mesure de Fa majeur, et retour à Do majeur, 2 mesures d'affilée. Ce qui donnerait 1, et 2, et 3, et 4, et le Fa. Et 2, et 3, et 4, et je reviens en Do. Et 2, et 3, et 4, et re-Do. Voilà, là vous avez fait un tiers de vos 12 mesures. Donc quand on change vite comme ça, d'une mesure de Do à une mesure de Fa, on trouve ça plutôt dans le blues de Chicago, c'est-à-dire le blues un peu plus urbain, blues électrique, Muddy Waters, tout ça. Donc, 1, et 2, et 3, et 4, et Fa, 2, et 3, et 4, et j'en reviens en Do, 2, et 3, et 4, et voilà, on passe à la 5e et 6e mesure, là c'est invariable, 2 fois le Fa. Après ces 5e et 6e mesures, on fait les 7e et 8e, on revient 2 fois en Do. Pareil, ça ne change pas ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 4, et... Ok, il nous restera le dernier tiers, et vous saurez faire une grille complète en 12 mesures. Donc je vous refais les 8 premières mesures, en mode blues du Delta, avec donc 4 mesures complètes de Do majeur pour le premier tiers du morceau. 4e mesure. Après, je change ma verfa de mesure d'affilée. Baby, don't you want to go? Je reviens en Do. Et j'attaque le dernier tiers du morceau, la mesure
9. On va aller sur le sol, cette fois-ci, une seule mesure. 2 et 3 et 4. Dès qu'on a fait ça, on fait une mesure de Fa. 1 et 2 et 3 et 4. Et ça, c'était la mesure 10. La mesure 11, on va revenir une mesure complète en Do. 1 et 2 et 3 et 4. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle un turnaround sur la 12e mesure. Donc, je vous refais les mesures 9, 10 et 11. Donc, la mesure de Sol. 1. De Do, 3 et 4, et donc là j'attaque le premier temps en Do. Alors là il y a plein de façons de faire, ça c'est juste une manière de boucler le cycle. Donc une croche en Do Sol suivie de Fa, Fa dièse, Sol, ce qui donnerait la 12e mesure pour la main gauche. Do, pam, 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 c'est chouette non? Fa, Fa dièse, Sol, c'est toujours des croches, hein. Croche, 2, croche, 3, et 4, et. Et celle-ci, ce serait une blanche, avec une croche en plus d'ailleurs. 1, et 2, et 3, et 4, et fin. Et on reviendrait au tout début. À la main droite, je vais faire exactement la même chose. Tan, tan, une octave au-dessus. Fa, Fa dièse, Sol. Ce qui donnerait du coup la mesure 11 et 12. Donc une mesure complète de Do, mesure 11. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, ce coup-ci à la main droite, je ne joue rien sur le 1 parce que je dois me déplacer pour faire le... Mesure 11 et 12 à nouveau. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, les mesures 9, 10, 11, 12, le dernier tiers de la grille. Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, je vous refais toute la grille depuis le début. Cette fois-ci, je ne prends pas la version du delta, je vais changer tout de suite dès la deuxième mesure pour aller vers un Fa majeur, avant de revenir deux fois sur le Do, donc la version Chicago Blues. 3, 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je reviens en Do. 4, 2, 3, deuxième tiers du morceau. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, la dernière tiers. Mesure 11, 2, 3, 4, 1. Ça reprendrait du début. Voilà. Donc quand vous êtes bien en place avec tout ça, que la main gauche arrive bien à choper son rythme, à bien se déplacer et tout, à la main droite, on peut enrichir avec une seconde attaque qui se placerait comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé mon premier temps et j'ai fait 1, et 2, et 3, et 4. Ce qui est plus embêtant déjà, parce que la main gauche, elle va avoir envie de partir aussi, mais non. Donc pour la main droite, ça donnerait ça au niveau du découpage rythmique. 1 et 2 et 3 et 4. En fait, je joue sur le E du 2, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez, j'ai fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc le Fa, pareil, hein. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 le Fa et 4 et 1 et 2 et 4
Bah écoutez, j'espère que ce premier cours de piano blues vous aura plu. C'est vraiment nécessaire de connaître la grille par cœur. C'est-à-dire que vous n'ayez plus besoin de vous dire est-ce que je dois passer en fa pour aller do, machin. Non, il faut que vous l'ayez par cœur en tête. Il y a un morceau de référence que vous pouvez chanter par-dessus ou chantonner pour vous y retrouver, pour arriver à ressentir quand est-ce qu'on va changer d'accord. C'est tout simplement Sweet Home Chicago. Version Blues Brothers, par exemple, c'est quand même la plus populaire. Ça donnerait ça. Come on! Baby, don't you wanna go? Je mélange les deux types d'attaque à la main droite. Come on, yeah! Baby, don't you wanna go? Back to that same old place. Sweet home, Chicago. Yeah! Hey! One and one is two. Six and two is eight. Hey! Come on, baby, là je m'énerve un peu. Down, down, gonna heal. Oh non, ça sort de l'écran, ça sort de l'écran. N'importe quoi. Oh, la 11e. Michto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon travail vous plaît. Et rendez-vous à la prochaine pastille vidéo pour apprendre justement à enrichir un petit peu déjà l'accompagnement. Et après, je vous montrerai comment on improvise. Au prochain épisode.